Bonjour, je vais vous proposer aujourd'hui un tuto pour réaliser ce joli col très original. Alors, ce qu'il rend original, c'est que j'ai utilisé un point d'écrevisse. Le point d'écrevisse, classiquement, est employé pour réaliser de jolies bordures à nos ouvrages. C'est un point qui permet de rigidifier un petit peu les bordures et puis qui permet de finir, de terminer les ouvrages. Et là, j'ai utilisé ce point à l'intérieur de mon col. Donc j'ai alterné, comme vous le voyez là, des tours de bride et des tours de point d'écrevisse. Voilà, hein. C'est ce point qu'on voit bien en relief ici. Et donc, comme vous allez le voir, j'ai piqué directement ce point à partir des brides. Voilà, donc c'est un rendu, ça a un rendu assez original et puis un petit côté vintage que j'aime beaucoup. Voilà, donc c'est un ouvrage en rond, hein, voilà l'endroit où se rejoignent les tours. Et puis donc c'est parti. Allez, je vous montre. Et ce col, j'ai utilisé un joli fil rose poudré, voire nacré, de chez Lamy Yarns que j'ai trouvé sur le marché. Et donc c'est un fil 100% acrylique qui ne gratte pas, très très doux, et qui se crochette avec un crochet numéro 7. Voilà. Et donc comme il s'agit d'un ouvrage en rond, je vais commencer par une chaînette de 60 mailles en l'air que je vais fermer. Alors j'y vais. Donc pour réaliser une chaînette, on fait d'abord un nœud coulant et on pique le crochet à l'intérieur de la boucle. Et puis c'est parti, on va réaliser un jeté. Donc on passe le fil d'arrière vers l'avant sur le crochet et on tire dans la boucle. Et on va en faire donc 60. Mailles en l'air. Donc voilà, j'ai réalisé une chaînette de 60 mailles en l'air. Ça fait une chaînette assez longue, mais il faut pouvoir passer la tête à travers le cercle. Et donc je vais fermer cette chaînette en piquant une maille coulée pour fermer. Donc je pique dans la toute première maille de la chaînette. Je réalise un jeté et je tire à travers les deux boucles sur le crochet. Voilà. Pour poursuivre, donc je vais alterner en fait les rangs, enfin les tours de bride et les tours de point d'écrevisse pris dans l'ouvrage. Et donc je commence par un tour de bride. Et donc pour réaliser des brides, il faut déjà se mettre à hauteur des brides. Elles sont assez longues, donc je vais réaliser deux mailles en l'air. Donc les mailles en l'air, c'est comme les mailles de chaînette. Je fais un jeté et je tire. En voilà une. Et deux. Et donc, je vais réaliser une première bride. Je vais vous remontrer comment crocheter des brides, même si je vous l'avais déjà vu dans d'autres vidéos. Alors, pour réaliser une bride, je fais un jeté. Je pique dans la toute première maille de la chaînette. Donc, c'est bien celle où j'ai réalisé la maille coulée, hein. Donc, cet endroit-là, hop, je fais un jeté et je tire dans la première boucle. Je réalise un nouveau jeté et je tire dans les deux boucles, les deux premières boucles sur le crochet. Un dernier jeté et je tire à travers les deux dernières boucles sur le crochet. Donc là, on voit bien les deux mailles serrées pour commencer et puis la première bride qui est issue donc de la toute première
mailles de la chaînette. Donc je poursuis ainsi, on aura au total 60 brides puisque je réalise une bride dans chaque maille de la chaînette. Me voilà au bout des 60 mailles, donc je crochète la dernière. Et de 60 brides, hop, voilà. Et puis donc je vais pas crocheter de brides dans cette dernière maille, hein, puisqu'il s'agit de la maille coulée pour fermer le tour. Et puis bah, pour fermer ce tour-là, je vais faire pareil, je vais crocheter une maille coulée. Au sommet, je vais piquer au sommet de la toute première bride du tour. Voilà, là on voit bien. Une maille en l'air, deux mailles en l'air. Donc il s'agit des deux mailles en l'air que j'ai réalisées pour me mettre à hauteur des brides. Et ben je vais piquer, hop, dans la troisième maille que je vois là, en fait. Hein. Finalement, c'est tout en haut de l'espace laissé par les deux mailles en l'air de départ et la première bride. Voilà, donc je pique, je fais un jeté et je tire dans les deux boucles. Voilà, une maille coulée. Permet de fermer ce premier tour. Alors, je vais vous montrer maintenant comment réaliser donc ce fameux point d'écrevisse donc à l'intérieur de l'ouvrage. C'est un point qu'on utilise classiquement pour les bordures, hein, pour faire une bordure jolie et assez solide. Mais là, ce point est intégré carrément dans l'ouvrage, donc en alternance avec les tours de bride, et ça donne un aspect relief assez sympa et original. Donc c'est un point qui se travaille de gauche à droite, et donc ça oblige à faire un peu une torsion des mailles, et c'est pour ça que ça donne un point relief. Voilà, en fait c'est des mailles serrées qu'on fait de gauche à droite. Alors je vais déjà réaliser une maille en l'air pour me mettre à hauteur des mailles serrées, voilà, et puis ensuite je vais vous montrer. Donc je vais piquer dans le brin avant de chaque bride du tour précédent. Donc je vais piquer là, comme ça, du bas vers le haut. Voilà. Ici. Alors, c'est parti. Donc c'est un geste qui est peut-être un petit peu... qui paraît un petit peu compliqué au départ, mais une fois qu'on a pris le coup, ça va bien. Alors, on va pas aussi vite que des mailles serrées classiques, bien sûr, mais ça se fait quand même assez facilement. Alors c'est parti, donc vous voyez, je vais retourner mon crochet pour aller piquer de haut en bas dans le brin avant de la maille. Je fais un jeté. Je tire à travers le premier brin. Je réalise un nouveau jeté et je tire à travers les deux brins sur le crochet. Voilà, en fait, je fais comme une maille serrée. Je finis comme une maille serrée. Donc, hop, je vais chercher le brin avant. Je tire. Je fais un jeté et je passe à travers les deux boucles sur le crochet. Alors, il faut pas trop tirer sur le fil de la pelote parce que sinon, ça gêne un peu. Hein. Faut que ce soit assez souple. Donc je continue, hop, je vais venir piquer seulement dans le premier brin. Je vais chercher le fil, je fais un nouveau jeté et je tire. Sachant que dans le point écrevisse classique qui sert de bordure, je vais piquer carrément à travers les deux brins en fait. Hein. Je ne vais pas chercher seulement le premier. C'est-à-dire que là, le brin arrière va nous servir au tour suivant, au tour de bride suivant, pour poursuivre. Donc, c'est pour ça que je le laisse libre lors de ce tour-là. Donc, je continue, je vous montre encore. Je viens piquer
Là, je cherche le fil, je tire, un nouveau jeté, et je tire à travers les deux boucles. Voilà, on voit bien le point écrevisse se former là. Voilà. Voilà, donc je continue comme ça en réalisant une maille serrée dans chaque bride du rang précédent. Donc ça fait 60 mailles serrées au total. Donc me voilà en fin de tour avec donc un joli point d'écrevisse. Donc me voilà en fin de tour avec un joli point relief, point d'écrevisse. Et donc il va falloir fermer le tour comme les précédents. Et pour ça, je vais réaliser une maille coulée également. De pareil, de gauche à droite. Donc je vais piquer. En tout début de rang, j'avais réalisé une maille en l'air pour me mettre à hauteur des mailles serrées. Donc je vais piquer vraiment, voilà, dans l'espace laissé par cette maille en l'air et la toute première maille d'écrevisse que j'ai réalisée. Donc là, on voit bien le petit espace. Donc je pique. Je fais un jeté. Et je tire à travers. Ouais, c'est un peu plus dur que pour une maille coulée à l'endroit, dans l'autre sens. Et voilà. Donc voilà. Donc le rang suivant va être fait de brides. Donc je réalise deux mailles en l'air pour me mettre à hauteur. Et puis cette fois-ci, je repars dans le bon sens. Et je vais venir piquer. Alors, je vais vous montrer. Donc, dans le brin arrière de la bride, du rang de bride précédent, donc du premier rang de bride que j'ai réalisé, on voit bien ici qu'on a laissé, donc on a utilisé le brin avant pour faire le point d'écrevisse, et on va utiliser ici le brin arrière, hein, on voit bien à l'arrière du point d'écrevisse qui reste cette petite tresse là. Et donc je vais venir piquer dans ces brins là. Alors, on fait des brides tout normales, hein, un jeté. Et puis je tourne un petit peu j'abaisse un petit peu le point d'écrevisse, là, le rang de point d'écrevisse, enfin le tour de point d'écrevisse, et je pique dans le bras arrière et puis je réalise une bride classique, hein. Voilà, on voit bien là, hein. Si je le tourne, voilà ce que ça fait à l'avant de l'ouvrage et voilà ce que ça donne à l'arrière de l'ouvrage. Il faut vraiment aller piquer à l'arrière de l'ouvrage, à l'arrière du point d'écrevisse. Voilà, et donc c'est assez. C'est assez facile. Voilà. Donc voilà, quand on met l'ouvrage bien droit, voilà ce que ça donne en fait. Donc on voit que ce point est très en relief. Voilà, donc je poursuis ainsi. Et puis, arrivé au bout de ce tour-là, je ferme d'une maille coulée. Et puis, je repars pour un rang d'écrevisse dans l'autre sens, de gauche à droite.
Au final, il s'agit plutôt de rang que de tour, puisque à chaque fois, le rang d'écrevisse nous fait partir dans l'autre sens. Donc voilà, donc de gauche à droite pour le point d'écrevisse, et puis bah, de droite à gauche classiquement pour l'hybride. Donc voici mon col terminé, j'ai rentré les fils et donc j'ai réalisé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 rangs, tours. J'ai bien commencé par un rang de bride et j'ai terminé par un rang de bride également. Voilà, le voilà. Il est doux et puis il est bien épais, bien chaud. Et voilà, on voit bien ce relief proposé par ce point d'écrevisse à l'intérieur de l'ouvrage. J'espère que vous avez aimé ce col, aimé mes explications et le tuto. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker et puis à vous abonner à ma chaîne.